Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM Plus 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Marie-Thérèse Casimirius. Marie-Thérèse Casimirius est maire de la ville de Basse-Pointe, une ville du nord de la Martinique. Elle est également conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique. Madame Casimirius, comment allez-vous? Je vais très bien et je salue toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup de nous honorer de votre visite. Vous êtes donc maire de la ville de Basse-Pointe. La ville de Basse-Pointe se trouve où en Martinique? Combien il y a d'habitants dans cette ville? Vous en êtes la maire depuis combien de temps? Alors, il y a pour l'instant 2800 habitants à Basse-Pointe et je suis en effet chef d'édilité depuis 2014. C'est donc une petite commune. Une petite commune du Nord et c'est de surcroît la commune de naissance d'Aimé Césaire, mais la commune aussi qui regorge d'atouts à la fois en termes de sites, de lieux, mais de très grands personnages. J'ai cité tout à l'heure, mais je veux aussi citer le docteur Hippolyte Morestin, qui est le père, la pierre angulaire de la chirurgie réparatrice. Il y a aussi le député Pécoule. La ville de Basse-Pointe a vu naître à la fois Aimé Césaire comme maire et député, mais aussi un député dont on connaît très peu, qui est le député Pécoule. D'accord. Et puis aujourd'hui, Marie-Thérèse Casimirius. Dites-moi. Donc, vous êtes une petite commune quand même, dans le nord, dans même l'extrême nord, à peu près de la Martinique, et vous êtes quand même conseillère exécutive. À quoi c'est dû? En général, bon, on choisit des gens qui peuvent rapporter des voix, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que vous êtes conseillère exécutive? Alors, je pense qu'il faudrait poser la question au président du conseil exécutif, mais je crois que c'est quelqu'un que je côtoie depuis très longtemps et qui connaît mon attachement à Aimé Césaire. Parce que j'ai côtoyé Aimé Césaire depuis l'âge de 8 ans et j'ai eu à le retrouver, on va dire, moult fois en certaines circonstances particulières par rapport à mon défunt père. Et je pense que c'est le président du conseil exécutif, Serge Chimie, que je remercie de sa confiance, connaît donc mon attachement à la culture, aux hommes et aux femmes de ce pays. Et puis aussi mon engagement vis-à-vis de la Martinique. J'ai toujours eu à cœur de servir les plus fragilisés, ceux qui sont devenus, je dis souvent, les victimes expiatoires d'un certain nombre de mesures scélérates et que le sort n'a pas épargné. Donc il connaît donc mon attachement pour cette cible particulière. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Oui, je suis membre... Je suis, je dirais, sans aucune gloriole, que je suis une inconditionnelle du Parti progressiste martiniquais, une incorruptible d'Aimé Césaire et de Serge Chimie. Très bien. Vous avez parlé de votre défunt père. Que faisait-il? Mon père était ouvrier agricole. Il était membre du Parti communiste. Il a été aussi élu sous la mandature d'Émile Ramin. Il a donc côtoyé, par son intermédiaire, j'ai côtoyé de très près des hommes comme Émile Maharamet, Aimé Césaire et aussi quelqu'un dont on parle très peu, mais qui a vraiment ouvert la voie en servant au mieux cette cible-là des personnes qui sont en souffrance. Je veux parler de Feu Sévère Serlon. Donc vous êtes conseillère exécutive. Vous êtes en charge de quel secteur exactement? Alors, une grosse part, enfin, la culture, avec tous les volets qui s'y rapportent, donc culture, patrimoine, langue créole, et puis aussi au niveau de l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. C'est un gros ministère, si j'ose dire. Oui, ce sont de grosses délégations, et je renouvelle mes remerciements d'autant qu'à... C'est le timide, d'autant que je crois qu'il a compris très tôt qu'il ne fallait pas dissocier la culture de l'enseignement, puisque dans le contrat de mandature, on avait bien fait le lien entre
éducation et culture, parce que l'un des premiers volets des orientations, c'est l'affirmation identitaire. Donc, dans ce cadre-là, il fallait absolument que le socle éducatif serve de base au niveau de l'éducation pour nous permettre justement de transmettre notre culture aux plus jeunes. L'affirmation identitaire, vous dites. Oui. Vous avez l'occasion de fréquenter beaucoup les jeunes. Je fréquente les jeunes et je crois que c'est tellement important que lorsque en arrivant à Basse-Pointe, j'expliquais aux jeunes qu'ils avaient leurs origines. Aimé Césaire, le député Pécoul, le docteur Hippolyte Maurestin, ils n'étaient pas informés de ça. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas donc cette histoire. Et heureusement que j'ai rencontré, enfin, ça fait des années, je devais avoir 8 ans aussi, parce que j'ai rencontré une très grande dame qui nous a quittés, feu Berthe Lebiel, alias Fifi, qui, effectivement aussi, lors de certaines réunions publiques, est venue pour expliquer aux jeunes d'où ils venaient, quelles étaient celles et ceux qui les avaient précédés. Donc je crois que cette notion d'affirmation identitaire est plus que nécessaire parce que je revendique, et j'ai toujours rêvé dans ce sens, que notre identité comportait plusieurs volets. Un volet européen, certes, mais un volet surtout africain, indien et amérindien, et qu'on a toujours développé un seul volet, notre appartenance à l'Europe, mais jamais les trois autres volets, et qui nous appartenaient donc de mener les investigations nécessaires pour pouvoir le prouver. Et par conséquent, je dis que le Martiniquais a une dimension multiculturelle et multiculturelle, et que le Martiniquais n'a rien à envier à quiconque, puisqu'il a cette dimension, et on voit tout ce foisonnement, ces couleurs, l'expression de tellement de potentialités, notamment du point de vue artistique, et c'est ça qui doit justement faire la fierté des Martiniquais, c'est cette dimension que le Martiniquais. Et je me bats pour ça. Donc, vous avez observé que les jeunes sont souvent sur leur portable, que par le portable, ils travaillent, ils traversent les frontières, ils traversent les océans, ils sont dans le monde. Est-ce qu'ils sont véritablement sensibles à ça, à l'affirmation identitaire ? Lorsqu'il joue aux échecs avec quelqu'un qui se trouve en Chine ou des choses comme ça, comment vous vivez ça? Est-ce qu'on a une chance de gagner ce combat-là? Absolument, parce que je pense que à mesure, bien évidemment, quand vous tenez ce type de discours, en prime abord, ça peut paraître un peu surprenant. Mais il faut aussi amener la preuve aux jeunes et leur montrer aussi que cette dimension, c'est telle, cette multiplicité, voire cette diversité culturelle qui est source d'enrichissement, et c'est celle qui permet justement l'expression, beaucoup d'expertise dans certains domaines. Et je parle souvent de celui qui a réalisé l'architecture du Queen Mary, qui est un Martiniquais. Je parle aussi de celui qui a réalisé les effets spéciaux du film Les Seigneurs des Anneaux, qui est un Martiniquais qui vit en Australie. Et ils se rendent compte, et justement, que cet intérêt qu'ils ont pour le numérique par rapport à l'insularité prouve que le Martiniquais a cette capacité de dépassement de soi et d'aller vers l'autre, parce qu'il se reconnaît à travers l'autre. Il n'est pas sclérosé dans une identité, mais on voit bien que, quel que soit le pays où les guides, ils se rendent bien compte que, en quelque part, je leur dis, si vous allez à Cuba, quand vous voyez l'écologie, la végétation, vous reconnaissez un peu de la Martinique. Quand vous allez en Afrique, vous reconnaissez un peu de la Martinique. Donc ça veut dire que le Martiniquais peut s'adapter. Il a cette grande capacité, surtout cette souplesse d'adaptation partout. Et je pense que ça découle de ces volets identitaires que je viens d'énumérer. Et c'est pour cette raison que je dis que le Martiniquais n'a rien à envier à quiconque. Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce que nos jeunes en ont conscience? Les jeunes en ont conscience et je tiens à les remercier parce qu'il y a actuellement une volonté des jeunes de passer outre
le schéma qui avait été, dans lequel ils avaient été conditionnés, c'est-à-dire uniquement vers la France hexagonale. Et maintenant, nous avons beaucoup de jeunes qui font honneur à la Martinique, au Japon, aux îles Canaries, en Australie, en Angleterre, dans beaucoup de pays, en Afrique, dans beaucoup de pays. Et vraiment, je tiens à les remercier parce qu'ils sont devenus les ambassadeurs de la Martinique dans d'autres pays et ils valorisent donc cette identité donc, auquel je faisais allusion tout à l'heure. L'Afrique est un continent. Le général de Gaulle disait de l'Europe que c'est un peuple blanc, judéo-chrétien, et qui va de l'Atlantique à l'Oural. Et c'est vrai, c'est un peuple blanc, judéo-chrétien. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'Afrique ? Est-ce qu'on peut considérer l'Afrique comme étant un bloc, comme on peut éventuellement considérer l'Europe ? C'est un peu difficile à dire la considération qu'on a de l'Afrique, puisque l'Afrique a... j'ai eu l'occasion, par exemple, de me rendre au Bénin, où on se rend compte que à la fois de cette diversité aussi, mais l'Afrique est tellement secouée par des coups d'État, tellement d'événements qui viennent un petit peu perturber un certain déroulement, parce que les jeunes Africains aujourd'hui se sont bien rendus compte des effets, on va dire, dévasteurs du colonialisme, qu'il y a donc cette volonté de reconstruction, je dirais même de refondation de l'Afrique. Et cette prise de conscience m'interpelle et m'interroge beaucoup, dans le bon sens. Vous avez donc l'impression que l'Afrique était un continent avec des pays développés dedans, j'imagine, je ne sais pas s'il y avait des pays, un continent qui se développait, et puis les colonisateurs sont arrivés et ont détruit tout ça. Absolument. Alors là, c'est mon point de vue. D'autant qu'il y a eu, alors on parle, c'est vrai, de l'esclavage, mais ce que je condamne, c'est la traite négrière basée sur le code noir mis en place par Colbert. À un point, alors parce que de mon point de vue, l'esclavage a toujours existé. On a connu les guerres tribales, les Goths, les Visigoths. Il y a eu les guerres de religion avec l'Afrique du Nord. Il y a eu donc les premières guerres mondiales avec les Allemands. Il y a toujours eu cette forme d'esclavage. Mais la traite négrière, à la fois les Portugais, les Espagnols et les Français ont fait subir à mes ancêtres, je trouve ça, c'est pire que de la révolte. Et je suis même comme Césaire qui disait que je suis habité par une blessure de plus de 3000 ans. Parce que c'est inhumain. Et je crois que dans l'histoire même de l'esclavage, aucun peuple n'a subi un tel niveau d'humiliation et de traitement que la traite négrière. La traite négrière doit être condamnée. Et je suis assez étonnée du silence du gouvernement français, quelle que soit la mandature sur ce point-là. Et je veux remercier Christiane Taubira d'avoir eu ce courage pour demander que l'esclavage soit considéré comme un crime contre l'humanité. Ok, c'est une loi qui ne porte aucune conséquence pratique. C'est-à-dire qu'on ne condamne jamais personne au nom de cette loi. D'ailleurs, les tribunaux ont dit que non, puisqu'ils ont refusé ils se sont déjà prononcés sur ça. En fait, ce que vous venez de dire là à l'instant, en observant que l'esclavage a toujours existé, Goths, Visigoths, Francs, les Romains, etc. Donc en fait, ce n'est pas l'esclavage qui est un crime contre l'humanité, c'est le racisme. C'est le racisme, mais c'est surtout la traite négrière, parce que je crois que... La traite négrière est basée sur le racisme. Le peuple noir a été, dans toute l'histoire de l'esclavage, le peuple qui a le plus subi, et arriver à considérer un noir comme étant même pas une demi-portion, mais moins que rien. Donc c'est ça, le racisme. C'est du racisme. D'accord. C'est le crime contre l'humanité, c'est le racisme, pas l'esclavage. L'esclavage est un système économique, en fait, qui existe encore aujourd'hui dans certains pays. Mais c'est le racisme, quoi.
Mais c'est-à-dire que lorsque Christiane Taubira a prononcé cette loi, a demandé donc cette loi, je pense qu'il fallait une continuité par rapport à ce que je dis. Mais vous savez comme moi, tout ce qu'elle a subi, déjà par, en raison de sa couleur de peau, une fois de plus, le gouvernement français a montré que son côté un peu vieille France, pour tout mettre en œuvre, pour essayer, justement, et l'actuel gouvernement de M. Macron a tout fait pour essayer de faire annuler cette loi. Parce que cette loi, c'était une étape par rapport à un objectif qui était la valorisation et la reconnaissance de l'homme noir. Parce que, qu'on le veuille ou non, jusqu'à présent, on sent bien que dans les rapports, qu'il y a toujours dans les rapports entre les hexagonaux de France à peau blanche et les, on va dire, les Français à peau noire, on sent toujours que tout est basé sur cette relation de dominant à dominé. Et jamais une position égalitaire entre les races. Et je trouve que dans son comportement, le gouvernement français adhère à cette relation dominant à dominé. La France est raciste. Pardon ? Est-ce que la France est raciste ? C'est une affirmation ou vous me posez une question ? C'est une question. Attendez. Alors, je suis en train d'écrire. J'ai écrit déjà un premier roman où je parlais justement des luttes ouvrières, où je faisais découvrir la ville de Basse-Pointe. Là, je suis en train d'écrire quelque chose où je Alors là, je suis très factuel, hein, très pratico-pratique. Je parle de faits que j'ai connus, que j'ai vécu en France hexagonale. Alors, vous me posez la question, est-ce que la France est raciste ? Je vous dirais oui. Ok. Si je vous dis, la France n'est pas raciste, mais il y a des Français racistes. Alors, je vais vous demander de me le prouver, parce que lorsque je regarde... Et à tout niveau, hein, je me souviens, j'ai en mémoire un passe d'armes entre Serge Letchimy, député, et M. Claude Guéant, où il y a toujours eu, parce que je parle de relations dominant à dominant, il y a toujours eu cette volonté, et c'est pour ça que Césaire dit aucune race ne possède le monopole de la beauté et de l'intelligence. Mais il y a toujours... qu'on ne me fasse pas croire que la France n'est pas raciste, parce que dans tout ce qui se passe, vous aurez toujours cette... Il y en a toujours... Il y a toujours un système. Alors, vous me parlez des Français, vous me parlez de l'être humain. Mais là, je vous parle d'un système où on sent bien que on est porteur de civilisation. Vous n'avez... Alors, qu'on me dise que la civilisation, en fait, c'est quoi ? Qu'est-ce que la civilisation ? Depuis le début, lorsqu'on me dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais quelle Amérique ? Puisque les Antilles étaient déjà habitées, me semble-t-il. Hein? Mais il y a toujours eu dans tout cette volonté d'accorder une certaine suprématie à une certaine couleur ou une certaine appartenance. Et tout ça, c'est pour ça que je vous dis, je considère que j'habite une blessure de plus de 3000 ans et que je suis une véritable écorchée vive par rapport à la fois à ce que j'ai vécu en allant suivre mes études dans l'Hexagone, mais aussi par rapport à d'autres cas où je me dis, je ne suis pas, on ne peut pas m'accuser de démence un peu précoce, puisque je peux recenser d'autres personnes qui ont vécu. Et si aujourd'hui, nos jeunes, les jeunes Martiniquais ont tendance à ne pas s'arrêter aux frontières de la France hexagonale et aller ailleurs, c'est bien parce qu'ailleurs, ils sont mieux reçus et mieux considérés. Vous prenez quand même l'exemple de M. Claude Guéant, qui est un député d'extrême droite du Rassemblement national et qui affirme clairement un certain racisme. Il représente la France, selon vous ? Alors, s'il ne représentait pas la France, je crois qu'à travers l'épisode avec M. Serge Letchimy, la France aurait dû le lui rappeler. Mais me semble-t-il qu'à travers cette histoire malencontreuse et malheureuse, que c'était Serge Letchimy qui risquait une sanction de la part du gouvernement français.
Quand même, lorsque vous parlez de Christiane Taubira, qui est une femme noire... Exemplaire. Oui. Mais ce pays raciste dont vous parlez a fait d'elle la ministre de la Justice, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État, enfin, ouais, le sénateur, un des plus grands personnages de l'État. Est-ce que c'est le fait d'un pays raciste, ça? Je pense que... Je précise, elle a été porteuse de deux lois importantes qui ont été votées, le mariage pour tous, et puis cette loi. Cette loi. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier sous quel gouvernement. C'était sous un gouvernement socialiste, le gouvernement de M. François Hollande, qui est... Alors, les valeurs de gauche ne sont pas les mêmes que les valeurs de droite. Mais après, elle s'est retrouvée, elle a même eu à intenter un certain nombre de procès lorsqu'on l'a assimilée à une guenon. Donc, si d'un côté, on reconnaît les compétences de Christiane Taubira, d'un autre côté, à travers ce qui s'est passé, parce qu'il a fallu qu'elle se batte toute seule pour faire condamner cette dame du Front National qui l'avait traitée de guenon. Et dans ce combat, je suis désolé, j'ai le regret de vous dire que Christiane Taubira s'est retrouvée toute seule. Ah, enfin, bon, on ne va pas discuter de ça, je ne suis pas tout à fait là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intervenus pour la défendre. Mais bon, là n'est pas le vrai débat. J'insiste sur la culture, parce que c'est votre parti, et vous définissez la politique de ce pays dans la culture. Bon, l'Afrique, mais à quoi vous allez vous accrocher à l'Afrique? L'Afrique est tellement diverse. Vous êtes allé au Bénin, vous allez en Côte d'Ivoire, ce ne sera pas la même chose. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous allez trouver 113 tribus différentes qui n'auront pas les mêmes dieux, les mêmes prières, qui n'auront pas les mêmes façons d'enterrer les morts, qui sont très différents l'un de l'autre, tout en étant dans le même pays, puisque les pays ont été définis de façon arbitraire par les colonisateurs. Donc à l'intérieur, on trouve des gens très différents. Alors, à qui vous allez vous accrocher? Alors, je tiens déjà à vous dire que la revendication ne porte pas en tant qu'Africaine. Hein. Je considère que nous sommes des Indo-descendants, des Afro-descendants, que nous ne sommes pas... Alors, je n'ai pas cette prétention de dire qu'il faut absolument faire le parallèle entre tous les pays d'Afrique. Mais en revanche, dans tout ce qu'il y a comme exemple à suivre, je me suis rendu au Bénin sur les traces du roi Béhanzin, que je considère comme étant l'un des plus grands rois et celui qui a refusé l'oppression coloniale. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il faut au moins que la jeune génération comprenne bien cette... Je parlais de multiplicité, de diversité au niveau de l'identité. Mais je ne veux pas partir en Afrique pour dire que, oui, je maîtrise à la fois la langue, les coutumes africaines. Là n'est pas mon propos. Parce que vous avez dit qu'on vous oblige à mieux vous rapprocher de l'Europe que de l'Afrique. Donc ma question, c'était de quelle Afrique? Parce qu'il y a tellement d'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique, hein. Tant de pays différents, je veux dire. Oui. Il y a l'Afrique du Nord. J'ai dit dans mon propos que nous avons une diversité, on va dire une pluralité au niveau de l'identité, une pluralité au niveau de nos origines, et qu'il faut le dire et le faire savoir à nos jeunes. Parce que, je le dis pourquoi, parce que pendant il n'y a pas très longtemps, pendant un bon moment, on nous a fait croire que nous étions des descendants de Vercingétorix et de Louis XIV, d'Attila, alors que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a de l'Europe en vous? Pardon? Est-ce qu'il y a de l'Europe en vous? Absolument, il y a une partie. Pourquoi vous ne seriez pas descendant de ces gens-là? Non, parce qu'on nous faisait croire, on n'a jamais parlé au niveau de ma scolarité, on ne m'a jamais parlé de ces origines, de cette multiples. On nous a toujours fait croire que nous étions nos ancêtres, c'était les Gaulois, vous connaissez bien la chanson. Hein, nous n'étions que, mais il est vrai que. Voilà, alors il n'y a pas que. Il n'y a pas que, d'accord. Voilà, il y a, c'est de ça que je parle. Et je condamne le fait que y avait donc cette volonté de conditionnement pour nous faire croire qu'on était descendants que de l'Europe, de la France plus exactement. Et ce n'est pas le cas. Donc il y a eu une tricherie
une énorme tricherie à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut rétablir les choses et bien expliquer aux jeunes qu'ils sont cette dimension multiculturelle. Et de mon point de vue, c'est important. D'accord. La langue, il y a une définition de la langue qui est une définition occidentale. Une langue, c'est quelque chose qui s'écrit et qui a une grammaire. D'accord ? Donc il faut que nous soyons, que le créole soit une langue. Donc il faut qu'il s'écrive, qu'il ait une grammaire, qu'il ait une orthographe, etc. Et que vous voulez correspondre à la définition européenne de la langue. Il y a un tas de langues africaines, précisément. Ils sont des langues vernaculaires, ils sont extrêmement répandues en Afrique, parlées par des millions de gens, sans jamais être écrites, sans jamais être grammaticalisées. Alors pourquoi est-ce que vous voulez absolument que le créole soit écrit, soit tout ça, quoi ? Parce que bien longtemps avant moi, il y a eu... parce que lorsqu'on parle de... On veut parler de la Martinique doit avoir son identité avec son drapeau, avec son hymne national, et doit avoir sa langue. Maintenant, bien longtemps avant moi, il y a des Martiniquais, puisque la première expérimentation du créole à l'école... ça s'est passé à Basse-Pointe, plus exactement. Et je remercie les créolistes qui, avant moi, avaient vu donc, la nécessité. Et cette nécessité, elle était vraiment, elle avait une bonne finalité, c'était de lutter contre l'exclusion. Encore une fois, lorsqu'on a voulu absolument, vraiment prioriser l'utilisation de la langue française, on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont été exclus parce qu'ils n'avaient pas parlé que le créole. Donc, on a voulu, justement, de manière très démocratique, enseigner, mais avec, il y en a moi qui ont écrit la grammaire, il y a un dictionnaire créole, ils se sont penchés pour toute une dialectique au niveau du créole. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire, c'est-à-dire rendre, formaliser le tout pour le rendre à la portée d'autres, même si nous savons, si je sais qu'il y a... Qu'il s'agisse de Mme Le Pen ou qu'il s'agisse de M. Macron, ils sont contre les langues régionales. Toujours assurer la suprématie de la langue française. Mmh. Et moi, je prône une utilisation, pas optionnelle, mais une utilisation du créole au même titre que la langue française. Mmh. Ça, c'est mon combat. Mmh. Comment vous allez faire pour apprendre les mathématiques au créole ? Comment vous allez traduire les équations, tout ça en créole ? Je suis confiante parce que lorsque je regarde le travail qui a été fait par certains créolistes avant moi, et c'est ça aussi, c'est rendre hommage à tout ce travail qui a été fait, et je suis certaine que ça existe déjà, où il y en a qui réfléchissent déjà par rapport à cette volonté que nous avons affichée, puisque je veux rappeler quand même qu'en plénière, l'utilisation de la langue créole, la valorisation de la langue créole a été votée à l'unanimité. Et là, maintenant, nous sommes dans la dernière plénière de jeudi, dans un appel à projet pour justement permettre aux élèves et aux enseignants d'avoir des outils pédagogiques. Vous êtes donc une grande admiratrice d'Aimé Césaire. Ah oui, je suis une inconditionnelle d'Aimé Césaire. C'est embêtant parce qu'il a dit que le créole est une langue infirme. Il n'a jamais parlé créole en public. Donc c'est un petit peu contradictoire quand même. Il faut rappeler le contexte dans lequel Césaire a dit ça, hein, parce que ça n'a pas été facile pour Aimé Césaire, qui a dû être lui-même se marginaliser par rapport aux attaques qu'il subissait. Mais parce que ce que vous me dites là, j'ai entendu, on m'en a déjà parlé, aussi du moratoire, les gens ne comprennent pas. Mais Césaire dit des choses dans un contexte bien particulier. Il y avait la volonté, une fois de plus, du gouvernement français de le marginaliser. Et donc Césaire a écrit, il a dit ça, mais il faut replacer. Vous savez, une phrase qui est sortie de son contexte n'a plus la même valeur. Attendez, mais je connais bien Césaire aussi. Voilà. Et il ne parlait pas créole, il n'avait aucune estime pour le créole. Et c'est connu, quoi, je veux dire, c'est pas... On n'évoque pas ça. Mais il y a bien une raison. Je sais qu'il parlait le tamoul et il s'est même vanté dans une revue, une interview donnée à la revue Tropique,
d'avoir pu côtoyer les Indous, parce que lorsqu'il allait à l'école, il en rencontrait, etc., sur son passage. Mais Césaire était très sensible justement à cette diversité qu'on rencontrait, aussi bien les Indo-descendants que les Afro-descendants. Il était très sensible à tout ça, toute cette culture qui foisonnait. Quels sont, donc vous êtes en charge quand même de notre culture, quels sont nos héros? Est-ce qu'il y a des peuples, et qu'est-ce qu'il peut y avoir des peuples sans héros? Alors, des peuples sans héros, je dirais l'affirmation, parce que on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que lorsque je vous parle de ce volet identitaire, c'est ce que je revendique, hein, au niveau des Amérindiens qui sont présents malgré leur absence, qui nous ont laissé des traces. Je suis très fier de ce volet, de ce combat mené par les Amérindiens, et je suis un peu, inquiète, parce que je crois que l'histoire se répète. Au début, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a dit Christophe Colomb a découvert les Amériques, je ne sais pas lesquelles, hein. Mais on va dire que la Martinique, à un moment, a été scindée, séparée en deux. Il y a eu une fois que ces conquistadors se sont bien appropriés du Sud, et donc il y avait donc un accord de principe entre le Sud, résidence au Sud pour les conquistadors, et le Nord pour les Amérindiens. Mais une fois qu'il y a eu, donc, on a goûté à tout ce qu'on pouvait goûter dans le Sud, on a commencé à venir partir donc à la conquête du Nord. Et il y a eu, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu un grand chef amérindien, on disait, alors quand on veut, bien évidemment, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale, mais on a prétendu qu'il était sanguinaire, mais qu'il a vraiment mené un farouche combat pour empêcher justement les conquistadors ne s'accaparent aussi du Nord. Et c'est ce qui explique pourquoi les Amérindiens sont partis à l'île voisine de la Dominique. Alors, on n'en parle pas, parce que toujours est-il, quand vous me parlez, vous faites allusion donc à Césaire pour le créole, on ne parle pas beaucoup de ces combats des Amérindiens. François Fanon nous a laissé heureusement la mort des Caraïbes, mais ce grand chef qui a combattu les conquistadors, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je considère que cet homme-là, pour moi, c'est un héros, un grand héros de la cause amérindienne. Mais comme on était dans un contexte particulier, on va plus vous parler de Christophe Colomb, mais on ne parle pas de ces personnes qui se sont vraiment battues. D'accord. Nous sommes donc au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Les droits de l'homme n'existent pas. Le monde est un monde violent par définition. Il n'y a pas de nos terres. Hein. Quand on a besoin d'une terre, on fait la guerre et puis on la prend. Donc les Occidentaux sont arrivés dans la Caraïbe. Ils ont trouvé les Amérindiens, ils les ont éliminés, ils ont pris leurs terres. C'était comme ça à l'époque, partout. Et les Caraïbes se battaient entre eux, les Taïnos contre les Caraïbes, etc. C'était un monde de guerre, quoi. Pourquoi voulez-vous que moi, Martiniquais, aujourd'hui, avec le passé que j'ai, je sente que mon héros est amérindien, en plus un héros vaincu? Pourquoi voulez-vous ça? C'est particulier, quand même. Ah, votre question me choque. Parce que simplement, cette personne démontre bien sa volonté de ne pas se soumettre. Parce que, tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Je ne vois pas pourquoi, par rapport à la couleur de peau, on devrait se soumettre à n'importe quel parvenu. On sait très bien comment ça s'est passé. Hein. C'était le gouvernement français avait lancé à l'époque des appels à projets. Vous voulez partir dans les DOM, enfin maintenant on dit les DOM, dans les Antilles, bon ben vous aurez, etc. Bon. Mais attendez, et on me parle de, on est venu apporter la civilisation, mais quelle civilisation? Parce qu'en fait, en venant aux Antilles, il y a eu l'apport qu'il y a eu, on n'en parle pas beaucoup, beaucoup de maladies. Et ce sont ces maladies qui ont décimé
des populations entières d'Amérindiens. Et on appelle ça la civilisation. Et je ne vois pas pourquoi, pourquoi je vais estimer que c'est légitime. Moi, je suis du côté de ceux qui osent affirmer tous ces chefs qui se sont battus, même dans le contexte que vous venez de rappeler, mais qui ont refusé de se soumettre, à beaucoup de choses parce qu'il estimait qu'il avait, lui, sa culture, sa manière de vivre. Et que ce n'est pas parce que n'importe quel parvenu vient et puis vous dit « Alors, il ne faut pas manger du poisson frais, il faut manger des pizzas » et que tout le monde... Et des fois, c'est ce qui se passe, tout le monde, on laisse ce qui est bon pour nous, pour notre santé. La preuve, c'est qu'on a amené beaucoup... Je viens de lire, de relire, que beaucoup d'étrangers, entre guillemets, se rendent dans certains pays d'Afrique, notamment chez les Pygmées, parce qu'on s'étonne que ces personnes ne soient jamais malades. Parce qu'ils ont un mode de vie qui leur est propre. Et il ne faut quand même pas oublier, aujourd'hui, lorsque j'entends parler de pharmacopée, que ces personnes étaient très attachées, ils avaient compris qu'on avait des richesses. Lorsque je constate qu'on vient en Martinique maintenant, des gros groupes pharmaceutiques viennent en Martinique récupérer la molécule de certaines plantes et repartent pour les transformer avec des additifs, et puis venir nous les revendre. Alors là, ce sont des choses qui me font... Qui me font grincer des dents. Et ce qui est normal. Alors que, me semble-t-il, ce serait mieux d'apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, les propriétés de certaines plantes et comment les utiliser. Qu'à chaque fois qu'on se serve de la population, des Antilles, comme étant des tubes digestifs, pour justement pouvoir écouler et comme la source capable de faire gagner de l'argent. Mmh. Donc, imaginons que nous soyons à Basse-Pointe et que dans les environs de Basse-Pointe, il y a une plante qui permet de soigner, de faire des soins, d'accord? Et donc, vous connaissez cette plante, vous êtes la maire de la commune, vous connaissez cette plante et vous la conseillez à vos... Comment on dit, les Basse-Pointois? Les Pointois. Les pointes, mais pas basse devant. Non, non. D'accord. Mais c'est comme pointe-à-pitre, alors. C'est embêtant. donc vous guérissez vos points 3 avec cette plante. Et puis voilà qu'un industriel occidental arrive, prend cette plante, la transporte en France dans une usine particulière. Et au lieu que cette plante guérisse les 2300 points 3, cette plante va guérir des millions d'hommes de par le monde. C'est un progrès, Madame Casimirus. Alors, je ne m'oppose pas au progrès. Entendons-nous bien. Je dis que ce qui m'a toujours irrité, c'est cette capacité de certains groupes, qu'il s'agisse de groupes pharmaceutiques ou autres, de venir, de récupérer à l'insu, sans même avoir pouvoir dire, justement, vous me parlez de progrès, eh bien, pouvoir dire aux Martiniquais, là où on les prend, expliquer dans quel but. Mais on prend la molécule, on la travaille, on va ajouter des produits chimiques et on vient vous la revendre. C'est-à-dire que vous rachetez, en fait, ce qui vous appartient de manière partielle. Mais ça, la molécule appartient à la Martinique. C'est ce que je dis. Maintenant, que cette molécule soit en mesure de guérir, oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, si on établit une charte, mode de fonctionnement, vous offrez gratuitement le produit à l'ensemble des Martiniquais. Parce que si nous sommes dans le progrès, effectivement, moi, de mon point de vue égalitaire, toujours à la recherche de l'égalité des chances pour tout le monde, mais j'ai du mal à concevoir qu'on vienne chercher la molécule ici et qu'on la ramène et on nous la fait acheter. Sans nous dédommager, voilà. D'accord. Sans dédommagement, voilà. Vous avez donné une définition du héros très classique. Pour vous, le héros, c'est un guerrier, qu'il soit vaincu ou vainqueur, c'est un guerrier. C'est une définition occidentale du guerrier, du héros. C'est comme ça que les Occidentaux voient les héros, Napoléon, etc. Est-ce qu'on ne peut pas donner une autre définition du héros? J'ai envie de dire que votre papa et votre maman, vos grands-parents aussi, sont les vrais héros de la Martinique. Absolument, c'est absolument, parce que lorsque vous... Alors, je mène beaucoup d'investigations à la fois sur l'histoire
de Basse-Mouette. Et je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de lieu, mais je vous ai parlé aussi des hommes. Je considère que nous sommes tous des pépites. Nous avons tous des valeurs, des savoir-faire, des postures qui nous distinguent. C'est pour ça que je suis un peu opposée à ce qu'on dit, tous les Noirs se ressemblent. Quand vous êtes dans certains contextes, on commence par vous dire que tous les Noirs se ressemblent. Je dis que chaque être humain a une personnalité qui est unique. Oui, mon père a mené des combats. Oui, ma mère a mené des combats. Et autour de moi, j'en connais beaucoup qui ont mené des combats. J'ai eu un oncle qui est décédé, Yvon Casimirius, qui a mené un combat politique extraordinaire, avec ses mots, à sa manière. Je peux vous en citer beaucoup. Comme la mère de feu, s'appelait une grande avocate de Martinique, une femme qui s'était lancée de la politique, malheureusement, Marie-Alexandre Jacoulet, qui tenait une épicerie au Macouba. Voilà une femme qui a mené des combats parce qu'elle a, avec cette épicerie, par rapport à la paupérisation, elle a aidé beaucoup, mais je vous dis, beaucoup, mais on n'en parle pas. Ok. On peut estimer que pendant l'esclavage, les Noirs, précisément parce qu'ils étaient esclaves, n'ont pas véritablement d'histoire ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, les Noirs ont une histoire, c'est à nous. Parce que lorsque j'ai commencé à parler de l'esclave roumain, et je dis souvent, au cours de ma scolarité, les parents nous disaient, parce que l'école n'était pas tout près, on nous disait, pour nous permettre de rentrer tôt, d'éviter de traîner, on nous disait, Negma ont échappé. Et on avait fait du nègre marron un ennemi, alors que, bon, côtoyant ses airs, en menant mes propres investigations, je découvre que, justement, le nègre marron, c'est un héros. Ce n'est pas notre ennemi, bien au contraire. Si nous avons voulu la liberté, c'est grâce au nègre marron, parce que le fameux décret de monsieur Schœlcher est arrivé après que le prononcé de l'abolition. Ok. Donc il y a des esclaves qui arrivent en Martinique. Parmi ces esclaves, il y a des cultivateurs qui cultivaient tranquillement leurs champs, les appris en réduisant l'esclavage en Martinique. Et puis il y a aussi des guerriers qui se sont battus, qui ont été finalement vaincus et qui ont été réduits en esclavage. Et donc ces gens-là se retrouvent en même temps sur la plantation. Alors il y en a qui sont des guerriers, il y en a qui sont des cultivateurs, qui sont des pacifistes. Et donc effectivement, sur chaque plantation, il y a quelques guerriers qui ont envie d'être des nègres marrons, et qui sont des nègres marrons. Mais ils ne s'organisent pas véritablement. Ils s'échappent, ils partent, parce qu'ils en ont marre d'être réduits en esclavage. Est-ce que ça peut être assimilé à de véritables héros? Mais bien sûr, parce qu'ils se sont révoltés. Alors, dans votre récit, ce que je voulais compléter en disant que quand je dis un héros, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est dressé contre un oppresseur pour revendiquer juste le fait que il était un être humain et pas un être inférieur à un maître blanc. Et ça, j'estime que c'est très courageux. Alors que, et on rencontre ça souvent, on rencontre des systèmes un peu bizarres et où personne ne veut parler parce qu'on a peur. On ne veut pas encourir les foudres, parce que vous connaissez le système aussi comme moi, et le poids de la masse. Et souvent, on a tendance à vous isoler pour éviter justement que, vous savez, c'est le problème de la, on dit le problème de la pomme pourrie d'un panier de pommes, pour éviter que vous ne deveniez un peu, vous soyez en mesure d'être source de contagion. Mais je suis en admiration devant ces personnes qui osent se dresser contre un certain nombre de pratiques, et notamment au niveau des esclaves. Beaucoup se sont rebellés au risque de leur vie, de leur propre vie, parce qu'on connaît, le code noir est très clair, hein, c'était la soumission totale, et qui, simplement pour dire au maître blanc, je suis un être humain comme toi, et tu ne dois pas me traiter de cette manière.
Et pour moi, c'est admirable, c'est signe de beaucoup de courage, parce qu'ils savaient, moi aussi très bien comment ça se passait, qu'on était arrivé à soudoyer même des Noirs qui, pour simplement dire demain, ce que Paulo Almet dit très très bien d'ailleurs dans une chanson, nègre contre nègre. Mais c'est un peu ça. Mm-hmm. Et ils ont toute mon admiration pour avoir osé dire, à travers leurs gestes, dire non, je refuse d'être traité comme un. De la manière dont vous le faites, parce que je considère comme je suis un être humain comme vous. Et ça, il fallait, dans le contexte, il fallait avoir beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour le faire. Et ils l'ont fait, et je suis admirative. Et pour moi, ce sont donc des guerriers de la liberté. Vous êtes admirative. Ah oui, très. Vous savez, moi, je suis admiratif de ces Martiniquais qui ont pris leur liberté en 1848 et qui, en moins d'un siècle, on fait de nous l'égal de nos maîtres, l'égal en droit de nos maîtres. C'est-à-dire que vos parents avaient combien d'enfants ? 6 enfants. Et vos grands-parents ? Vous avez 5 frères et sœurs ? 5. D'accord. Et avant, est-ce que vous avez des familles nombreuses ? Oui, ma grand-mère, elle avait 11 enfants, mais moi, oui. C'était des grandes familles à l'époque. C'était des grandes familles. De très grandes familles qui étaient très difficiles à nourrir. Parce qu'on prenait du fer à l'époque. On ne connaissait pas la contraception, on ne connaissait pas tout cela, on faisait des enfants. D'accord ? Et ils sont arrivés en moins d'un siècle à faire de nous l'égal du maître. C'est une victoire considérable. Alors ils n'ont pas gagné de grandes batailles, mais ces batailles de tous les jours, de pouvoir donner à manger à 14 enfants, et puis c'est là que je veux en venir, de les envoyer à l'école, pour qu'ils puissent acquérir la culture du maître. Et la première chose qu'ils disaient à leurs enfants, c'est « ne parlez pas créole ». Ce n'est pas parce qu'ils méprisaient leur propre langue, parce qu'ils savaient très bien que de toute façon, les enfants parlaient créole. Mais ne parlez pas créole à l'école, ne parlez pas créole à la maison, ne me parlez pas créole. Parce qu'ils avaient conscience que le créole était la langue de l'obscurantisme, parce qu'elle était voulue par les béquets, par les cousins, pour nous donner des ordres, etc., et nous empêcher d'acquérir la culture, parce qu'il n'y avait pas de livre en créole. Et donc cette langue, qui est la langue de l'esclavage, qui est la langue du maître, eh bien, vous voulez aujourd'hui la mettre à l'école et faire en sorte que les petits Martiniquais l'apprennent, et puis la déifient. Absolument. Parce que je crois qu'il est temps de valoriser notre propre culture, on n'est pas honte de notre culture. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que je vous l'ai déjà dit une fois. Dans une autre vie, il m'est arrivé de faire des études. Vous savez, l'assurance chômage d'où je viens avait donc à charge des ressortissants, la prise en compte des ressortissants de l'UE, de l'Union européenne. Et donc j'étais la personne référente, notamment pour des DOM, auprès de ces organismes. Et un jour, j'ai eu l'envie, je ne sais pas, une curiosité maladive, de faire un flashback sur 10 ans. Et lorsque je me suis aperçu de... Alors, ça passe inaperçu pour beaucoup de personnes. Hein. Parce que je me suis rendu compte que le nombre de ressortissants de l'Union européenne avait augmenté de 3000% en Martinique. Je me suis dit, il y a un problème. Et c'est pour cette raison que je suis dans cette, je suis vraiment accroché à cette affirmation identitaire, parce que je crains que la culture, la propre culture martiniquaise, celle qui a émergé de ces luttes, de ces combats, et après donc des années de conditionnement, on le voit toujours, de suprématie d'une autre culture au détriment de ce qui nous a forgé, qui m'a forgé. Je me dis que ça risque d'être dilué, et on le voit déjà. Là aussi, je mène un combat, Halloween à l'école, alors qu'Halloween a une connotation, meurtrière. Je me dis, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser... Alors, bien évidemment, la Martinique est une terre d'accueil, on a toujours... Et notre générosité, d'ailleurs, nous pose problème. Quand on reçoit à bras ouverts, et alors que l'autre n'a qu'une idée, c'est
comme ça a été fait vis-à-vis des cas, Amérindiens. Vis-à-vis des Amérindiens, on accueille à bras ouverts et puis après, on est piégé. Donc, je crois qu'il faut assurer cette défense de dire qui nous sommes et d'où nous venons. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, c'est pas possible. Voilà. Si on faisait en sorte que le créole soit parlé dans toutes les occasions, je veux dire que dès la maternelle, les institutrices, les professeurs des écoles parleraient indifféremment aux enfants créole et français, du genre tu m'en mets, j'allais du Vénitia et tu ne viens pas, à quoi tu viens pas, mélanger les deux, parler le créole, de façon draguer les filles en créole, ce qui est difficile aujourd'hui. Hein. Bon, est-ce que ça n'assurerait pas suffisamment l'existence du créole? Une langue n'est-elle pas vivante lorsqu'elle est parlée? Il y a des langues écrites qui sont mortes, hein. Le latin c'est l'exemple qu'on prend tout le temps. Est-ce que ce n'est pas ça qui pourrait faire durer, faire exister le créole, plus que le grammaticalisé? Parce que demain, ce que vous êtes en train de faire là, c'est qu'il y a un tas d'hexagonaux qui vont apprendre le créole dans les dictionnaires, ils vont apprendre la grammaire, ils vont venir vous voir, ils vont vous dire, ouais, mais toi tu es un analphabète, parce que tu ne l'écris pas, tu ne connais pas la grammaire, mais moi je la connais. Non, mais je crois que ce qu'il faut comprendre à travers cette valorisation de notre langue, cette affirmation de la langue, c'est que nous avons conscience que nous sommes dans un pays d'oralité, et probablement c'est dû à cette insularité. Nous sommes un pays où l'oralité... Mais maintenant, on n'a pas écrit tout à l'heure, on a parlé de certaines personnes qui se sont distinguées à travers leur combativité. Mais rien n'est écrit. Il faut tracer. Et c'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut mener des investigations, mais il faut aussi écrire. Et c'est cette Pourquoi étape... Pourquoi pas l'écrire en français? C'est cette étape. Ce serait lu par plus de monde. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que nous n'avons qu'une seule origine qui est la France, alors que c'est faux. C'est justement... Le créole, c'était quoi? C'est cette langue qui a permis cette communication, parce que ça a été très bien fait. Lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage... après le discours de Valladolid, on a donc cherché des hindous, mais on a cherché avec, je vous reconnais que c'était bien joué, une population, on est parti en Inde, qui ne permettait aucune communication entre les esclaves libérés, et les hindous. C'est-à-dire à la fois que tout différenciait dans les coutumes, dans les pratiques, dans la langue, et notamment dans les produits du terroir, tout, pour éviter une communication. Parce qu'on se disait, après les révoltes qu'il y a eu, on se disait que ça pouvait peut-être ressurgir d'une manière ou d'une autre. Donc il fallait chercher une population un peu docile, mais qui allait refuser de fréquenter de très près, de se rapprocher des esclaves. Vous voyez? Donc, je crois que... non, il faut... Je suis convaincue qu'il faut tracer. Et si, justement, les gens n'ont pas... Avant moi, on n'a pas tracé, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu cette... Parce que l'école aussi, il y avait ce pouvoir éducatif qui était géré par certaines personnes, et tout le monde n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école. Hein. La scolarité, je ne vous apprends rien, était réservée à des élites. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de choses, beaucoup de faits qui se sont passés. Actuellement, j'amène des investigations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un quartier qui s'appelle Fond Massacre. C'est où? Au Lorrain. Et en allant voir les anciens, ils finissent par vous dire qu'il s'est passé une guerre là, épique, avec notamment ce chef amérindien dont je vous parlais. Mais les détails même... L'histoire, vous voyez qu'il ne faut pas cantonner le savoir uniquement à la langue française, puisque les Français qui étaient là à l'époque, ou l'histoire française, n'a fait qu'écrire, transcrire ce qu'ils voulaient transcrire. Mais ce type d'événement qui est pour montrer aux Martiniquais, au moins à la fois, qu'ils ont aussi cette origine, ce volet, amérindien, je pense que je vous parle avec vraiment beaucoup de une colère contenue
Certes, mais une colère. Parce que... Contenez-la, s'il vous plaît. Parce que je ne vois pas pourquoi, si on se dit historien, on n'a pas, à la jeune génération, même à la mienne, on ne nous a pas tout dit. Vous en prenez ce que vous voulez prendre. Mais pourquoi vous donnez que ce que vous voulez donner, alors que ça fait partie de l'histoire de la Martinique, ça fait partie des luttes. Basse Pointe, par exemple, est le berceau des luttes ouvrières. Mais si vous n'allez pas chercher certains, les anciens qui vont vous raconter, c'est écrit dans aucun livre. Aucun livre. La France n'a rien écrit de tout ça. Alors que ça fait partie de notre histoire. Pourquoi nous avoir caché ça? C'est ça que je dis. C'est ça que je condamne. Donc c'est ce que vous voulez retrouver, quoi. Oui, et tout ce que vous rencontrez, ils vont vous parler en créole parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité. Vous savez très bien que quand vous ne savez pas parler français, vous étiez considéré comme encore au rang des bannis. Ce qui se passe, c'est que... Comment dire? Notre histoire est une histoire de défaite, quand même. C'est-à-dire que les esclaves ont été véritablement des vaincus. D'accord? Et pareil, les luttes ouvrières dont vous parlez ont peut-être existé, mais là, vous dites peut-être. Ont existé, mais n'ont pas été victorieuses. Je veux bien rendre hommage à Lumina Sophie, je veux bien rendre hommage à l'insurrection du Sud. Mais donc, quand on regarde comment ça s'est fini, c'est dramatique. Je vous dis ça, j'ai le frisson. Tellement j'imagine un petit peu ce qui s'est passé. Bon, alors, je veux bien qu'on nous apprenne tout ça. Mais c'est sans arrêt des défaites qu'on va nous apprendre. Parce que globalement, nous avons été vaincus. Est-ce que les Français vont passer leur temps à raconter Waterloo à leurs enfants? Ils vont raconter Austerlitz, leur victoire. Et nous, si on revient dans notre passé, c'est sans arrêt, ben oui, on a fait une grève, mais enfin, après, elle a été esclave d'un Guyanais, etc. Ça ne va pas, quoi. Je veux dire, je me demande si c'est positif de faire ça. Alors pourquoi vous dites, est-ce que c'est positif? Oui. Parce qu'au moins, les Martiniquais sont qui ont osé se dresser contre ce que j'appelle un public establishment, c'est-à-dire un ordre établi, qui ont osé se dresser contre ça. Mais quand vous dites que... non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'on a... on n'a pas gagné... ça ne veut pas dire que de notre côté, au niveau de notre capacité de résistance, on n'a pas une certaine reconnaissance dans le contexte colonial de l'époque. Parce que c'était vraiment un pouvoir établi, colonial, qui était établi. Vous avez l'impression, lorsque je prends par exemple février 1974, vous avez, alors, et ça mérite d'être dit, parce que vous aviez en face la demande du préfet, des gardes mobiles armés, et puis en face d'ouvriers complètement démunis, qui n'avaient pas d'armes, vous avez donc mais déjà l'équilibre. Il y avait déjà un déséquilibre. Je crois qu'il est bon, au contraire, d'expliquer à nos enfants comment ça s'était passé, et dans un état même de déséquilibre, vous avez quand même des femmes et des hommes qui ont osé, et ont eu l'audace et la volonté de continuer un combat et de ne pas s'avouer vaincu. C'est vous qui parlez de vaincu. Hein. Moi, au contraire, en termes d'exemple, je crois que nous apprendre qui nous sommes, que nous sommes des êtres humains comme tout le monde, et que nous pouvons au moins nous faire entendre, c'est pas, ils n'ont pas gagné parce qu'il n'y avait pas... je prends l'exemple de Robert Cyril quand il vous raconte comment ça s'est passé, mais je vous assure que vous grincez des dents. Parce que quand ils sont arrivés à l'allée de Chalvet, ils ont rencontré des gardes mobiles armés jusqu'aux dents, alors qu'ils n'avaient pas d'armes. Vous pensez que c'était un combat qui était équilibré? Non, moi je dis non. Mais ils ont continué. Et c'est ça que je retiens. Je connais bien les événements de février 1974, où j'étais directeur du Naïf. Nous avons véritablement un numéro spécial là-dessus. Et les photos qui ont circulé partout étaient les photos du docteur Henri Pied qu'ils avaient faites à cette occasion-là. Bon, non, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Il faut connaître cette histoire. Mais il ne faut pas voilà, la magnifier, essayer de la transformer. Voilà. Elle a été ce qu'elle est, quoi, je dirais, quelque part. Est-ce qu'il vaut mieux regarder l'avenir ou bien le passé?
Est-ce qu'il faut absolument, je sais pas, avoir cette fibre que vous semblez avoir là, du passé, de la résistance et tout ça? Est-ce qu'il faut véritablement avoir ça accroché à soi pour réussir l'avenir? Alors, moi j'ai fait une école de gestion, je veux vous dire, on m'a toujours appris que le passé doit me servir de socle pour conjecturer l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut que je sache ce qui s'est passé pour me permettre de prendre des orientations pour l'avenir. Si, et il est vain, à mon avis, il est à la fois malaisé de penser que la Martinique n'a pas de passé. La Martinique a un passé douloureux, certes, mais un passé avec des luttes qui ont été menées, parce que vous aviez, malgré la traite négrière, vous aviez des personnes qui avaient donc foi dans un idéal, et cet idéal, c'était ce que je revendique, c'est-à-dire cette égalité qui doit exister. C'est pour ça que Césaire parle d'universalité, que vous soyez rouge, jaune, blanc, nous sommes tous des êtres humains. Il ne doit pas y avoir, je redis, il n'y a pas de monopole de beauté et d'intelligence. Nous sommes tous intelligents, nous sommes tous des êtres humains. Et c'est ce que c'est. Et je vais toujours reprocher à celui qui voudra me faire croire le contraire. Je vais toujours dire, je ne suis pas une moitié d'homme, je ne suis pas un sous-homme, je suis un être humain fait de chair et de sang, même si je dis que je suis une négresse Bontain et fière de l'être. Mais je suis une négresse Bontain, fière de l'être, mais je suis d'abord un être humain. Excusez-moi, pourquoi vous êtes fière d'être? Parce que je suis une négresse Bontain. Et ça suffit pas. Alors, je le dis parce que je suis venu en Martinique quelques années. C'est pour vous montrer le conditionnement. J'avais les cheveux naturels. Et les gens à Fort-de-France, je ne comprenais pas pourquoi j'avais les cheveux naturels. Et je suis très contente, vous voyez, les choses avancent, que maintenant, beaucoup de femmes préfèrent, ont adopté. Donc, Mais pas des cheveux naturels, là. Si, des cheveux naturels. C'est simplement mis des nattes. Mais des nattes, ce n'est pas vos cheveux. Mes cheveux sont naturels, oui. Ce matin, justement, dans la rue, j'ai vu une petite gamine de 12 ans qui a de très. Enfin, on lui a mis des nattes, de très longues nattes, mais qui se terminent comme des cheveux des oreilles, quoi. Mais ça lui arrivait jusqu'aux fesses. Hein. À 12 ans, sa maman qui la tenait par la main. Je me suis dit dans ma tête, que c'est contestable. Excusez-moi, je pense que c'est contestable. C'est votre point de vue? Oui, c'est mon point de vue. Voilà. La Mercury Beach, qu'est-ce que vous en pensez? Posez là un problème. Moi, je ne fais pas d'atteinte aux libertés individuelles, mais je prône toujours la femme martiniquaise et je dis... qu'il faut que la femme martiniquaise arrive à rentrer, qu'elle refuse d'être la femme de l'ombre et qu'elle, surtout qu'elle refuse d'être une femme objet. Je crois que quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. C'est vrai, vous m'avez tout dit, mais je n'ai rien compris. Alors vous êtes pour ou contre? Ça vous choque ou ça vous choque pas? Je vous ai répondu, je vous ai dit, il ne faut pas. Moi, je suis celle qui pense qu'il faut que la femme martiniquaise s'investisse dans les affaires du pays. Je suis pour la parité, le respect de la parité, c'est-à-dire que la femme martiniquaise pénètre à la fois dans l'arène du monde politique et aussi dans l'arène du monde économique, parce que je pense que la femme peut faire beaucoup de choses, peut apporter une autre vision. Nous ne sommes pas en opposition avec les hommes, mais nous sommes en complémentarité avec les hommes pour la gérer. Et lorsque je vois que la femme préfère se cantonner au rôle de femme objet, je suis un peu choquée. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est plus clair, d'accord. Comment ça va, le Covid dans le Nord? On a, à un moment, on a parlé d'une espèce de recrudescence. Et puis je suis en tant que chef de dignité, je suis un peu inquiète. Donc on continue donc les opérations de préservation, de vigilance par rapport à cette pandémie. Et le chlordécone, c'est votre région qui est la plus touchée, non? Ouais. Vous êtes en plein dans la banane, là. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Et vous voyez, encore une fois, on a parlé de plan de chlordécone 1, 2, 3. Bon, j'attends de voir la suite. Mais en revanche, j'ai adressé un courrier à l'époque avec M. Villiers à l'ARS pour demander une explication par rapport à ce panel de cancer. Je vois... qui prend de l'ampleur par rapport... Il y a plus de cancers dans le Nord, là? Ah non, il y a vraiment une
Alors, on parle de perte d'administrés, mais il y a aussi, parmi ce qu'on constate, les chiffres, hein, il y a certainement des jeunes qui partent pour de nouvelles perspectives, surtout en termes d'emploi, mais il y a aussi beaucoup, chez les personnes âgées, beaucoup de décès. Et j'ai posé la question, est-ce que c'était dû à la pollution des terres et des eaux? J'attends la réponse, je suis jamais pressé. J'attends toujours la réponse. Mais quel j'ai est pas votre pris. Sentiment à vous? Je pense que c'est pas, c'est, ce n'est pas... Si j'ai écrit, c'est parce que je suis sûr qu'il y a, il y a un lien, oui. Est-ce que vous avez incité, en tant que maire, incité les Martiniquais de votre ville à se faire tester? Absolument. Et ça a marché? Absolument. Donc, avec justement la CTM, notamment au niveau de la pandémie, au niveau de la PMI, tout de suite, on a sollicité donc, la CTM, on a eu des points de dépistage. Vraiment, on a été très, très bien accompagnés par les services de la CTM dans ce cadre-là et dans le cadre de l'intérêt des Pointe-Croise et des Pointe-Croise. Et on a même ouvert un peu aux communes voisines de telle sorte à offrir la possibilité, puisqu'on savait qu'au niveau donc, des laboratoires d'analyse, vraiment c'était le rush. Donc on a trouvé cette opportunité qu'on a saisie. Quel est le problème majeur de la Martinique aujourd'hui, selon vous? Le problème majeur de la Martinique, c'est à la fois l'emploi et le logement. Mais concernant l'emploi, je suis triste. Je suis triste parce que il y a trois projets de loi de M. Macron qui m'inquiètent. Il y a deux qui concernent l'emploi et un, parce qu'on parlait de culture, qui parle de culture. Monsieur Macron prévoit de restituer à l'Afrique des œuvres d'art. Je demande, puisqu'on a des parlementaires, on n'a pas forcément besoin d'être parlementaire pour faire un certain nombre de revendications. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Même si certains peuvent considérer que je suis une porteuse d'eau, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Parce que je crois qu'au travail qu'on peut faire ensemble, et quand on fait les choses de manière sclérosée, on va droit dans le mur. Alors, il existe, je vous dis que je suis triste, je vous ai parlé tout à l'heure d'Hippolyte Maurestin, l'hôpital de Val-de-Grâce, du Val-de-Grâce, dans lequel a travaillé Hippolyte Maurestin, a fait donc à la Martinique un certain nombre de propositions, une proposition d'achat des œuvres d'Hippolyte Maurestin, ses esquisses, ses croquis, etc. Vous savez, vous dites que c'est le père de, je vous apprends rien, de la chirurgie réparatrice. La Martinique n'a pas daigné répondre. Et c'est l'Université de Californie aux États-Unis qui a racheté l'œuvre. Alors, je considère que c'est du patrimoine martiniquais, puisque Hippolyte Maurestin, c'est un martiniquais. Et moi, j'ai eu à séjourner dans certains pays, j'ai un certain intérêt pour les musées, visiter les musées avec des œuvres qui parlent de l'histoire. Et j'ai vu des œuvres, parce que vous savez que la Martinique, pendant longtemps, était en comptoir, il y avait beaucoup de négociations, c'est ce qui explique. Au niveau des patronymes, vous avez des patronymes même allemands, ici en Martinique. Et il y a eu certains commerces avec des commandants de bateaux, des capitaines de bateaux, qui ont récupéré des œuvres, et puis c'était vraisemblablement des collectionneurs, oui ou non, je ne sais pas. Mais à un moment, qui était dans le négoce, vendre des œuvres des Amérindiens, etc. Et en plus, on a vendu pas à la Martinique, encore une fois, mais à des pays, d'autres pays. Et j'ai demandé qu'on demande de mettre en place des amendements pour demander à M. Macron que sa proposition de loi ne se limite pas uniquement à l'Afrique, aux pays africains, la restitution, mais qu'il faut restituer aussi à la Martinique parce que ça fait partie de notre patrimoine, les œuvres qui sont exposées un peu partout. Il y a ça, et notamment que nous soyons en mesure de récupérer l'œuvre d'Hippolyte, les œuvres d'Hippolyte Maurestin qui sont exposées à l'Université de Californie.
Et quand je vous parle de l'emploi, il y a une loi aussi sur l'emploi, pour le plein emploi. Alors, quand on parle on parle du moins de la Constitution que tout le monde connaît, 1958, on voit bien que M. Macron a réformé beaucoup d'institutions, notamment l'assurance chômage. Et actuellement, la Convention d'assurance chômage, vous avez donc un certain nombre. Au règlement général de l'assurance chômage, vous avez 12 annexes qui sont associées. Et s'il y a l'emploi à la Martinique a une caractéristique particulière, c'est la précarité. Or, quand j'examine les lois, je me rends compte qu'au contraire, dans les projets de loi, ça vient condamner la précarité, et c'est cette précarité qui est source de paupérisation. Alors, il y a des annexes qui me gênent, parce que vous avez actuellement, il y a mon collègue Olivier Marie-Rennes qui mène un combat pour les marins pêcheurs, parce que la convention telle qu'elle est faite exclut une certaine catégorie, et pas des moindres. C'est toujours les plus favorisés, les plus défavorisés qui sont en souffrance. Les marins pêcheurs, alors, si d'un côté la yole martiniquaise est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, le marin pêcheur qui a une activité très difficile a toujours été exclu. Vous n'avez jamais vu un marin pêcheur percevoir des allocations assédiques, des allocations chômage. Il perçoit les RSA, les minima sociaux. Vous avez une autre catégorie, ce sont les ouvriers agricoles. On a assimilé à des intermittents, vous savez, les fameuses entreprises de TT, entreprises de travail temporaire, à qui on applique, par rapport à ce régime-là, on applique ce qu'on appelle le chômage saisonnier. Et puis vous avez une autre catégorie de personnes, et pas des moindres, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'annexe 12, avec les gens de maison. Alors les gens de maison sont de manière, on va dire, en douceur, avec le vieillissement de la population, sont devenus maintenant des aides ménagères, avec des taux horaires d'activité de, on va dire, 30 heures moyenne par mois. Or, M. Macron... Attendez, excusez-moi, 30 heures par mois? Oui, par mois. D'accord. Et vous avez donc, M. Macron a donc allongé la durée d'activité exigée pour avoir droit aux allocations, il a réduit la durée d'indemnisation. Et vous avez donc ces catégories de personnes qui, en fonction des exigences, ne pourront, notamment les femmes et jeunes maisons, ne pourront jamais percevoir. On va toujours les orienter vers le RSA et jamais bénéficier de l'assurance chômage. Alors qu'en réalité, ces gens-là, si on leur fait une ouverture de droit, ils pourront ensuite avoir droit à la fin de leur indemnisation pour avoir droit au RSA. Et moi, je suis chagrinée. J'ai reçu... parce que par rapport à un réseau, parce que j'ai des collègues, des anciens collègues qui connaissent le combat que je mène depuis, que j'ai toujours mené même dans l'Hexagone, puisque c'est pour cette raison que je me suis toujours opposé. Vous ne pouvez pas me dire un régime d'assurance chômage qui existe depuis 1958 a été étendu aux DOM qu'en 1980. Donc j'ai toujours dit que la Martinique baigne dans un océan d'inégalités. Or, j'ai reçu des amendements de collègues de l'Hexagone. Je n'ai pas reçu d'amendement de... Alors, je ne sais pas si je dois être... Alors, je ne veux pas être Jean-le-Baptiste au féminin, la voix qui crie dans le désert, mais là, il me semble que l'emploi, et notamment nos jeunes, surtout qu'on ne vienne pas demain dire que les jeunes s'en vont parce que les élus ne font rien. Vous avez alerté M. Hajar, j'imagine. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je vous dis que M. Hajar, dans le combat, enfin, si ce combat-là est mené par l'ensemble des parlementaires, je pense qu'ensemble, on fait mieux les choses. M. Hajar ne peut pas non plus être la voix qui crie dans le désert. OK. Donc, le problème de l'emploi, c'est évidemment le problème du développement. Oui, ouais, bien sûr. D'accord. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, il y a des lois françaises qui nous sont appliquées et qui nous empêchent de nous développer. Mais je viens de vous donner l'exemple au niveau de l'assurance chômage. Parce que non, c'est considéré... Ça, c'est une aide, c'est pas un développement. Ah non, vraiment. C'est pas une aide. Hein. L'allocation chômage est considérée juridiquement comme un revenu de remplacement.
D'accord, mais c'est, ça ne participe pas du développement, je veux dire. Oui, mais on n'a pas. C'est seulement avec. Là, je vois. Je commence à entrevoir certaines choses avec. Suite aux résultats du Congrès, aux travaux menés par le Congrès, et puis aux propositions du CIOM, je commence à voir qu'on va parler au niveau du développement de certaines choses. Parce que la situation économique de la Martinique, elle est ce qu'elle est. La Martinique regorge d'usines pour le sucre et le rhum, etc. Mais c'est depuis que la Martinique, l'économie a été fragile. L'économie au niveau du secteur, parce qu'il y a trois secteurs d'activité, le secteur primaire a été fragilisé lorsque on a le sucre de betterave de le français est venu concurrencer le sucre de canne de Martinique. Mm-hmm. Et à ce moment-là, l'économie sucrière s'est effondrée. Mm-hmm. Donc il serait grand temps que la France prenne un certain nombre de mesures pour rétablir justement cet équilibre. Donc le congrès auquel vous participez, puis c'est aussi la ligne de votre parti politique, et c'est toute l'action de M. Letchimy depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est d'obtenir plus de pouvoir. Pas de compétences, plus de pouvoir en Martinique, localement. Alors, quand vous dites ça, alors déjà que Serge Letchimy est devenu la bête à abattre, Serge Letchimy veut simplement toujours animer de cette soif de justice pour son pays, parce que moi qui suis chef de dédité, je peux vous dire qu'on gère certaines choses, mais on n'a pas, on est bloqué. Et c'est ça le problème, la dichotomie, c'est que la population est toujours persuadée qu'en tant que maire ou en tant que président, vous avez tous les pouvoirs, alors que vous n'avez pas le pouvoir. Vous gérez simplement, mais vous devez toujours vous référer. C'est ça que Serge Letchimy dit. Hein. Serge Letchimy n'est pas en quête de pouvoir, mais c'est que sa position de président du conseil exécutif, qui porte bien son nom, il a besoin de visibilité, de lisibilité par rapport à une demande de la population, parce qu'on est toujours entre deux feux. C'est que l'État nous donne les moyens de mettre en œuvre une politique de développement, de véritable développement économique, c'est ça. Mais ce n'est pas Serge Letchimy qui réclame, parce que demain, cette avancée statutaire de la Martinique, elle va bien profiter à si demain matin Serge Letchimy n'est plus président du conseil exécutif, à son successeur. Et on ne pourra pas reprocher à son successeur d'avoir voulu que. Sinon, c'est pas. Je n'ai pas voulu dire que c'est l'esprit de pouvoir pour lui. Il y a plus de pouvoir pour lui. Il réclame plus de pouvoir pour les élus martiniquais, voilà. Pour la classe. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des lois françaises aujourd'hui qui empêchent le développement de la Martinique? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas développer parce que vous n'avez pas la possibilité de faire des lois, quelque part. Pas seulement d'adapter les lois françaises à ici, mais également de faire des lois. Vous voulez avoir, vous voulez faire des lois. Est-ce que vous aviez cette possibilité-là, si vous l'aviez? Est-ce que la Martinique, est-ce que vous seriez en mesure de mieux développer la Martinique qu'elle ne l'est aujourd'hui? Mais absolument. Maintenant, alors, Johnny Hajjar est en train de mener monter un dossier contre la vie chère. Alors, je vous assure, il a fait un état des lieux économiques et c'est là que vous voyez la force et la puissance de grands groupes pour gêner. Alors, quand je disais tout à l'heure que Serge Letchimy, c'est pas pour lui, mais c'est pour le développement économique, Serge Letchimy, de côté, il a toujours prôné, et j'y adhère, la prise d'initiative locale. Mais vous voyez bien qu'à travers l'exposé de Johnny Hajjar, du point de vue économique, vous voyez la puissance de groupes qui au contraire, qui vont à contresens de ces. Parce que des fois, vous avez des textes de loi et vous avez l'impression que par rapport à ce auquel vous croyez, par rapport à la réalité du terrain, vous avez l'impression, quand vous demandez quelque chose, que vous êtes en train de remonter le lit de la rivière à l'envers. Et il n'y a rien de plus désagréable, surtout lorsque vous remarquez qu'autour de vous, tout le monde, pour éviter les foudres d'un pouvoir, préfère justement se taire et ne rien dire. Or, justement, il faut qu'on dise les choses, parce que ce pays a une réalité qu'il faut comprendre, ce pays-là. Et la prise d'initiative locale, comment, vous voyez, hier, il y a
une audio, j'ai trouvé ça très bien, une jeune fille avec des floupes, avec des produits du pays. Je trouve ça très bien. Je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, déjà pour avoir, mais pour aussi continuer. Donc vous avez 80% du tissu économique de la Martinique est composé de TPE, de très petites entreprises. Et dans, au sein de ces entreprises, le chef d'entreprise est à la fois son propre ouvrier, son propre patron. Il est ouvrier et patron. Mais ce sont des personnes qui ont voulu, dans certains domaines, essayer de faire quelque chose pour s'épanouir, eux, apporter leur savoir-faire. Mais ils sont vite découragés par, justement, quand Johnny Hajjar, en tant que député, a fait cette analyse économique que je trouve vraiment admirable, où il dépeint une certaine réalité, mais ils sont vite noyés par ces puissances qui sont là. Et vous pourrez mieux les combattre ? Vous pourrez les combattre ? À partir du moment où, juridiquement, le gouvernement donne des moyens, oui, on pourra les combattre. Je pense qu'on n'aura même pas besoin de les combattre parce qu'ils vont comprendre eux-mêmes et ils iront, comme c'est déjà le cas, hein, vous en avez qui vont en Amérique du Sud, dans certains pays d'Amérique du Sud ou dans les îles, pour notamment éviter les charges sociales, qui préfèrent aller installer des usines dans d'autres pays. En Martinique, en se plaignant que les charges sociales sont trop lourdes. Trop chargées. Voilà. Et c'est moi vous dire. Il vous reste 5 minutes, donc vous avez le temps, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah ben, ce que je dis déjà, vous remercier de m'avoir, parce que on me reproche de ne pas être souvent sur les ondes. Je dis que c'est tout simplement parce que je travaille. La tâche, elle est noble, mais elle est belle. Ce sont des combats qu'il faut relever, et puis nous continuons à mettre en place, à décliner. En action concrète, le projet de mandature et les engagements donc, pris vis-à-vis de la population, aussi bien au niveau de la culture, comme je vous disais, qu'au niveau de l'éducation. Donc il y a eu une innovation avec la refonte du dispositif d'aide aux étudiants, avec aussi la gratuité des livres scolaires. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de feu Sévère Serlan, ainsi qu'Aimé Césaire. Voilà. Des humanistes, Sévère Serlan, maire du Macouba, a toujours mis en place cette gratuité des livres scolaires pour à la fois les enfants du Macouba, mais les élèves du Macouba, mais pour aussi les communes voisines, dont moi, j'en ai bénéficié. Donc il fallait que je dise que je n'ai pas oublié la leçon. Et donc il y a une paupérisation qui est réelle, qui existe. Donc, le président du conseil exécutif donc, a pris ce choix, en discutant, d'offrir des livres. Et je salue. À tous les élèves de Martinique. Parce que c'était déjà fait à partir de la 6e par le rectorat. Là, le champ d'intervention, c'est les écoles primaires et le lycée. D'accord. Donc, et c'est notre manière de dire qu'il faut ouvrir le champ des possibles. À tous les enfants et puis tous les élèves parce qu'en faisant j'ai fait donc la tournée de il y a 68 établissements j'ai visité 66 établissements tout de suite en 2021 sur les 68 mais c'était suffisant pour me permettre de voir qu'il fallait absolument donner du sens à faire le lien avec ma collègue Audrey Talibandol à l'action sociale. Parce que vous avez aidé les dirigeants des établissements vous expliquent qu'il y a vraiment des élèves qui ont des difficultés. Donc on a tout mis en place pour justement essayer de gommer. Vous voyez, c'est toujours ma lutte contre les inégalités. Et puis mettre surtout en place un plan pluriannuel. J'ai trouvé un parc immobilier dans un état et surtout avec un axe. Premier axe, c'était pour combattre l'insécurité au niveau des bâtiments, parce que là, c'était impossible. Ah, vous occupez également des logements. Pardon ? Vous occupez également du logement ? Non, c'est dans le cadre cette délégation éducation. Il faut faire un état des lieux et constater que l'état de vétusté, parce que la plupart des établissements, l'âge moyen du moins est de 45 ans. Donc il y a beaucoup d'aménagements à faire, surtout pour beaucoup d'efforts avec ce PPI. Donc
Il y a ce plan pluriannuel d'investissement qui a été donc réalisé. Mais à l'intérieur, il y a un plan d'urgence pour 5 établissements. Le collège du Morne-Rouge, le collège du Verpré, le collège de Aimé Césaire à Fort-de-France, le collège du Carbet et, me semble-t-il, le collège de Sainte-Luce. Pour un coût global, parce qu'il fallait faire le rapprochement avec les fonds européens en termes de financement, parce que le coût, c'est 64 millions, c'est bien ça, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, 64 millions d'euros. On va devoir arrêter. Oui, c'est ça. Et puis, il y a de gros travaux de ravalement pour le collège de Petit Manoir, le collège du Marin, le collège de Petit Manoir, le Marin et le collège de Rivière-Pilote pour environ 10 millions, un peu plus de 10 millions. Et puis, il y a d'autres travaux de remise aux normes, notamment les normes par un sismique et les internats. Et aussi la restauration, je crois qu'il était important, là aussi c'est un combat qu'on mène au niveau de la restauration. En principe, il y a une élévation au niveau de la mission de dirigeant d'un établissement scolaire avec la possibilité de contractualiser avec des prestataires. Et malheureusement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Madame Marie-Thérèse Casimirius, qui est maire de la ville de Basse-Mouette et conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Martinique. Madame Casimirius, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Thank you.